Eh bien, salut à tous, ici Total Dead et bienvenue pour un petit jeu. Le jeu s'appelle le 911 Operator. Donc, c'est un jeu dans lequel donc on joue un opérateur. On va recevoir des appels donc de détresse, d'incendie, de vol, course-poursuite, agression à main armée, plein de trucs. Et on va devoir, en gros, gérer les troupes de police, d'ambulance et de pompiers. En gros, j'ai vu que ce jeu était en solde à un moment sur Steam, hein, déjà qu'il coûte pas cher. Et comme on est en plein confinement, tout ça, et qu'il y a une gestion de maladie, je me suis dit, allez, je vais prendre ça, ça va être assez drôle. Donc on va mettre jeu libre, je ne vais pas faire carrière. Et je suis content car on peut télécharger les cartes de toutes les villes. J'aime bien le côté Détroit, c'est vraiment carré, carré, carré. Tu vois, c'est vraiment assez drôle. Hong Kong, Istanbul, tout ça. Et ben moi, je vais prendre Clermont-Ferrand, c'est ma ville. Et puis voilà. Oula, elle sent pas bien. On va continuer, donc j'ai un peu d'argent. Ouais, alors j'ai quoi? Ambulance. Ambulance. Place. Ah, il reste. Ah, d'accord. Je vais enlever les personnes pour chaque véhicule. Tout simplement parce que je crois que j'ai pas laissé assez de place. Et on a ici la police. Il y a des policiers, ils les avaient déjà armés de carabines et de fusées et de gilets pare-balles. Comme ça, s'il y a un problème, ils vont pouvoir s'en occuper. Je peux recruter des ambulances. Il y a même des transports médicaux, mais il faut 50 000. Et je n'ai que 1515. Hein. J'ai mal géré l'argent. Mais c'est pas grave. On va commencer. Alors c'est quoi? Filtre. Ouais, d'accord, on va le laisser. On a tous les filtres et on va commencer le service. Alors on va voir, là j'ai mes réserves de pompiers. Allez, besoin tout de suite d'une aide médicale. C'est quoi? Un médical. Ok, je vois. Ah d'accord, il faut que je tienne encore 7h40 minutes. Ça va le faire. Et j'ai mes trois policiers. Bon, allez, ça commence. Oui. Compte rendu, d'accord. Ça brûle. Pouvez-vous envoyer de l'aide, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui brûle? Un garage. Adresse. On voit les pompiers. Je vais envoyer les renforts. Comme ça prendra moins de temps. Bah non, ils auront fini avant. Merde. Putain, j'envoie des troupes de police par là-bas. C'est à... Est-ce que je peux repérer ma rue, moi? Ah, c'est un peu compliqué de se repérer, là. À chaque fois, j'arrive pas à me repérer sur les cartes. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Il y a une révolte ou quoi? Ça va bien se passer. Agression sexuelle ou purée. Arrêtez-le, arrêtez-le, arrêtez-le. Ah mais oui. Il manque des places. Combien?
Des armes? Adresse? Ouais, non, mais attends, y a trop de gars qui se battent là. Transport de police nécessaire. Il y aurait déjà des troupes de police pour aller aider. Allez, dépêchez-vous là. Résolu. Vous. Non, viens, tu vas là d'abord. On va envoyer d'autres pompiers là-bas. Parce que là, c'est un début d'incendie. Là, faut l'arrêter, tu vois. Faut pas le laisser se propager, sinon ça va être n'importe quoi. Ouais, l'alerte. Vois, c'est ce moment-là où il y a 40 personnes qui font des trucs. On peut pas tout faire. Où? D'accord. Ah purée, j'ai le stress là, ça commence à stresser. Oh purée! Ok. Il y a trop d'appels là d'un coup. On va attendre. Les criminels sont en prison. Eh ben, tu vas aller là-bas tout de suite. Oh, mais c'est... Il est rentré mal à l'estomac. Eh ben, prends un truc. On va pas prendre de risques. Ça devrait bientôt s'arrêter, ça. Efficacité 33%. Ouais, mais attends, là, ça devient compliqué. Transport de police nécessaire, ouais, mais faites que ça s'arrête bientôt. Attends, on va d'abord aller là. On va aider ici. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas te bouger le cul, tu vas aller là. Repérer, maison en feu. Voilà, aidez-le.
D'accord. Ok. Non, mais toi, tu vas là-bas, mais... Avec cette vitesse, très bien. On envoie le fourgon là-bas et on envoie les policiers là-bas. Voilà. On va d'abord gérer ça. Allez, on va là. Là-bas, c'est en train de se calmer un peu. On va ramener les gars dans les bases. Oh putain, les cons! J'ignore, c'est un moment où on va pas casser les couilles aux gens, il y a déjà des problèmes là. Il y a déjà des problèmes et purée. Résolu. Le voleur sera appréhendé, c'est parfait. Ah, ok, suspect 3 peuvent être armés, d'accord. Va être résolu dans quelques secondes. Résolu, ok. Là, on va se dépêcher un peu. Résolu. Santé à 96, ok. Résolu dans quelques minutes. Appelant résolu, c'est parfait. Tout est en train de bien se passer. Bon, efficacité 47%. Repérer violation de domicile. Nous avons terminé ici, c'est parfait. Retourner une base. Vous allez redescendre un peu. Allez, dépêchez-vous. Transport de police nécessaire, vous inquiétez pas. Ah, il y a quelqu'un qui est blessé là. Ah non, c'est résolu. Ah, voyons voir. Fracture résolue. Conducteur ivre résolu. Ainsi de suite. Incendie résolu. Coupure profonde par un outil. Délai écoulé 9. Ouais. Maux d'estomac 9. Chauve-souris dans une chambre moins 3. Non, mais attends. Chauve-souris, ça va. Et j'ai gagné 33 941 dollars. Parfait. D'accord. Véhicule. Il me faudrait un nouveau fourgon de police. Mais je n'ai pas assez d'argent. Ça veut dire que je vais devoir continuer un peu comme ça. Avec ces véhicules-là. Et faire encore peut-être encore une mission.
Pour avoir encore plus d'argent, là j'en ai 34 924. En fait, même encore une mission, ça suffirait pas, sauf si je fais quelque chose d'incroyable, sauf si je fais une partie extraordinaire. Mais bon, c'est pas grave, allez, on va quand même le faire. On va commencer le service, en espérant que qu'aujourd'hui les gens seront sages. Ça commence. Blessé, une crise cardiaque a été signalée. Cette personne a besoin d'aide, transportée immédiatement à l'hôpital. Pas de souci, on envoie des secours. Incendie, pas très loin de la caserne de pompiers. Le propriétaire d'un chat a signalé que son chat ne pouvait plus descendre de l'arbre. Vous savez que parfois je fais pas assez attention à des trucs comme ça qui apparaissent. Mais je fais un jeu PC simulant votre travail, je voudrais vous parler pour quelques minutes. Attends, il va pas me casser les couilles, je pense qu'il fait référence à ça. Repérer, chat dans l'arbre. Nous avons terminé, nous avons résolu une affaire. Crise cardiaque, c'est en train de le faire. Centrale, arrêtez-le. Essayez de l'intercepter. Nouvelle alerte. Ça va le faire. Nous avons terminé. Je vais le laisser ramener le gars à la police. Criminel derrière les verrous, c'est parfait. Non mais. C'est lui qu'il faut attraper. Attraper, allez, attrapez-le. Parfait, excès de vitesse, et ben ma pauvre. Tu vas faire un petit tour chez la police, hein. Bah, bien sûr, de l'autre côté de la ville. Agent, attaque d'un agent de police. Oh purée l'enfoiré. Mais peut-être envoyer les ambulances car on sait pas. Peut-être que. Il s'est fait agresser violemment et qu'il est blessé. Il faut se préparer à toute éventualité. T'as sa faute car dans le jeu, parfois les missions peuvent venir une par une. Et parfois il peut en avoir 7 d'un coup. Je t'appelle. Eh bien, t'as vraiment des trous du cul, c'est quoi? Un chat sur l'arbre, bon. On va quand même envoyer les pompiers, faudrait pas que le minou se casse sa figure. Attaque d'un agent de police. Ah. Ils ont des armes, ils peuvent se défendre. Ils ont même des gilets pare-balles, mais on va quand même envoyer le fourgon pour... avec des petits renforts dessus. Bon, donc ça va se calmer. Un chat sur un arbre. Alors déjà, ils vont gérer celui-là. Encore un chat sur l'arbre, les gars. Allez, on va aider nos amis les bêtes. Pour l'instant, c'est sympa, le jeu. Sympa dans le sens où il n'y a pas 40 missions qui me tombent dessus, hein. C'est encore un chat tombé sur l'arbre. Des gangs se battent. Oh purée!
Un bébé dans une benne à ordures, mais... Et sérieux, vraiment. Repérer. Usage de brutalité. Je pense que je vais envoyer des renforts. Ceux-là, ils sont deux contre quelques-uns, ça va pas suffire. Une personne est victime d'une crise d'épilepsie. On nous tire dessus. J'envoie la cavalerie, vous inquiétez pas. Là, ici, il commence à envoyer l'ambulance pour qu'ils aident. Purée, le nourrisson, le pauvre nourrisson. Ils sont en train de tirer sur les gars, c'est parfait. Ok, alcoolique sur la voie publique. Feu dans un bâtiment, mince. Et toi, tu vas directement aller là quand on sait pas ce qui s'est passé. Non mais vous avez bientôt fini là? Il pourra pas l'atteindre. Il met trop de temps pour l'atteindre. Ben dépêchez-vous, interceptez-le lui. Attends, j'ai pas une autre ambulance qui traîne par là parce que... C'est quoi ça? Bâtiment en feu. Gros incendie, allez, allez, allez. Ça va, c'est en train de se faire. Sera dans 300... Oh purée! Oh purée! Retournons à l'hôpital, parfait. Bâtiment en feu. Ouais, ça va prendre un tout petit peu de temps. Parfait. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Après, t'as le gaz. Ah, j'aurais dû lui demander de couper le gaz.
Et on va dire, on gère un. Là, on va le dire, on a un peu bien géré, là, voilà. J'envoie d'autres pompiers pour aider au cas où ici. Je crois qu'ils n'auront pas assez de monde pour transporter tout ça. Lui va plutôt aller au final dans la plantation agricole, même si on dirait que ça va bientôt être géré. Voilà, c'est en train de se faire. Nous avons terminé ici. Continue d'aller là parce que je crois qu'il y a encore un blessé. Santé 65. On va aider notre confrère là qui est complètement blessé. Il reste plus que ça. Transport médical nécessaire, t'inquiète pas, là j'envoie l'ambulance qui apporte de quoi apporter des soins. Alors, résolu, alcool sur voie publique, résolu. J'ai pas un chiffre négatif. Et au final, j'ai gagné, résultat, 42 891 dollars. Je suis vraiment très content. Il y a eu quoi? Il y a eu quand même développeur. Donc ignoré, chasse sur un arbre, crise cardiaque, conducteur ivre, excès de vitesse. Chasse sur un arbre résolu, ouais, mais bon. J'aime pas. Chasse sur un arbre, on gagne pas beaucoup de points, mais bon, vu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, j'ai quand même fait. Membre d'équipe a été promu. Ah, mais tous mes pompiers ont été blessés. Je suis obligé de recruter des sapeurs-pompiers. Je pense que je vais en mettre un troisième sur deux à peu près. Est-ce que lui peut aller là? Ah oui, il peut. Non mais non, ça va. Mais restez comme ça. Ça suffira. Et vous savez quoi? J'ai 66 000, mais je pense que je peux acheter des motos supplémentaires. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le transport médical. Et je peux acheter un transport médical. Je peux acheter. Non mais c'est vrai, sauf qu'attends. C'est combien d'hélico? Deux cent mille. Oh purée, 200 000. J'ai quand même pas mal de fourgons d'ambulance. J'ai quand même pas mal. Même du côté des pompiers, j'ai pas mal. J'ai envie de mettre un médecin du côté des pompiers, de ce côté-là. C'est quoi? Équipement. On met quand même des équipements médicaux. Et allez, on peut vraiment pas mettre des armes sur un pompier. Allez, on va faire la dernière mission, une dernière petite mission. Tu as des équipes invalides. Ah, type d'équipe invalide. J'ai pas vu ça. Comment c'est le service à Clermont-Ferrand? Allez. C'est quoi? Vol à l'étalage. Un voleur a été arrêté dans un supermarché. Un agent de sécurité attend la police avec le suspect.
Attends la police, oui, avec le suspect. Allez, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que t'as volé, toi? Putain, tu voles le pain des bons Français, toi? Oui. Ah. C'est quoi ça? Bonjour. Excusez-moi. Elle le sait. Deux canettes. Oui. Ah, je sais ce que c'est ça. Vous avez faim? Vous ne pouvez pas parler? On envoie la police, t'en fais pas. Femme effrayée, bloquée par voyous ivres. Qui est blessé en plus. Quel abruti le gars. C'est quoi ça? Vol d'une femme. Le suspect s'enfuit à pied. On va le rattraper. Nous avons terminé ici. Parfait. Bloqué par voyou ivre, gravement blessé. On envoie les secours. Accident de voiture. Les conducteurs se disputent. Oh là là. On nous tire dessus besoin de renfort. Mais. Occupez-vous de lui là. Jacob Copus. Je suis désolé, mais attends, s'il est pas très haut, ça va. Oh, je commence à regretter. Une personne a perdu connaissance. On envoie des renforts et on envoie les secours. Allez, ça va bien se passer. Toi tu vas aller là plutôt et toi tu vas aller là-bas. Qu'est-ce qui se passe ça? Besoin d'aide médicale, intoxication par des substances inconnues, diarrhée, vomissement important. D'accord, je vois. Je vais voir si les pompiers peuvent pas essayer d'arriver un peu avant pour voir s'ils peuvent pas essayer d'aider un peu. Blessé. Suspect va bientôt être arrêté. J'ai envie d'envoyer des troupes directement ici, voir au cas où. Parce que s'ils sont nombreux, deux suspects peuvent être armés. Que puis-je faire pour vous? Ah!
Adresse? J'arrive, j'arrive. Non, 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 tirez pas, tirez pas! Oh putain! J'aurais dû lui dire de tirer, putain, légitime défense. Vomissement, allez. On nous tire dessus, besoin de renfort. Ben ça va, vous êtes à 2 contre 1, vous êtes à 4 contre 2, vous pouvez gérer. Intoxication grave. Ah là, les pompiers aident un peu, c'est pas mal. Un suspect armé. Je vais attendre que lui ait fini et on enverra les cette ambulance-là. J'ai presque aidé, voir, envoyer les pompiers, voir s'ils peuvent pas aider un peu. Le blessé est à l'hôpital en haut, c'est parfait. Y a un vol à main. J'envoie des ambulances. Allez, on envoie la cavalerie. Envoyons les ambulances aussi, car on ne sait pas ce qui peut se passer. Et il y a un gars suspect. Allez, on envoie les ambulances. Voilà, on envoie tout. C'est quoi ça? Le propriétaire d'un chat signalait un chat ne pouvait plus descendre de l'arbre. C'est quoi? Allez, on va faire un bon geste. Tout à l'heure, on a laissé le gars se démerder tout seul. On va l'aider cette fois. Blessé résolu. Lui aussi, on va le soigner. Ne meurs pas, salopard. Nous claque pas entre les doigts. Voilà. Oh purée, on a besoin d'aide. Il attend que lui ramène son blessé et on l'enverra en haut. Eh, vite, 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 vite. Y a le feu par ici. En feu? Oh purée, adresse. Durtol, ah je connais un peu ça. Quelqu'un à l'intérieur? On envoie les soldats du feu et une ambulance. Une voiture a été laissée sur la route, la circulation est bloquée. Oh purée, mais là il y a des enfoirés là partout. Pour l'intoxication, là l'intoxication, l'overdose, ah mince, a été signalée dans un état critique. J'espère que les secours vont arriver à temps. Faudrait pas que le gars ait des problèmes. Intoxication par des substances inconnues, diarrhée, vomissement important. Ah là c'est... Nous retournons à l'hôpital, c'est parfait, ça a été pris en charge.
Là, normalement, ils ont dit que c'était un incendie et qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Donc, j'espère que la personne n'est pas trop blessée. C'est quoi ça? Résolu. Bloqué par l'incendie. Merde. Ça va, elle s'est sauvée, c'est sûr. Allez, dépêchez-vous. Ah, voilà, c'est parfait. C'est... Nous retournons à l'hôpital. Parfait. Alors, chat dans un arbre, ignoré, moins 3. Accident de voiture, plus 1. Je n'ai rien ignoré. En fait, j'ai tout réussi, sauf l'histoire du chat. Tout a été résolu. Chat sur un arbre. Alors, en fait, si je résous chat sur un arbre, ça fait 0. Mais si je résous pas, ça fait moins 3. J'ai gagné 40 858 dollars. Parfait. Et des blessés. Non, j'ai pas d'autres blessés. Et surtout, j'ai dépassé les 100 000 dollars. Donc, est-ce que ça veut dire que je peux avoir, par exemple, un véhicule un peu plus important? Je sais qu'il y a quoi? Non, pas l'hélicoptère, ça coûte encore très cher. Il y a le fourgon de police que je pourrais avoir. Il y a par contre le transport médical, équipage 3, place 3. Alors que là, équipage 3, place 2. Ouais, j'ai envie de prendre... Voilà, j'ai envie d'acheter... Voilà, comme ça je... Voilà, donc en gros, équipage 3, place 3, entretien du véhicule 500, transport plus volumineux qui peut être utilisé pour le transport de plusieurs personnes à l'hôpital. Ça c'est parfait. Bon, j'ai dépensé une bonne partie de mon argent. Il y a quand même pas mal de voitures de police. Donc je suis assez content. Mais en fait j'ai envie de créer une nouvelle équipe. Et j'ai envie de créer une... Voilà, je vais dépenser, je vais acheter une nouvelle voiture de police. Et je vais... Et comme ça je vais pouvoir... recruter des individus, pas assez d'argent. En fait si je recrute ça, c'est tout simplement parce que... Voilà, deux véhicules comme ça, il va la jouer à la Dual Barretas, hein, à la CSGO. Parce que parfois, j'ai besoin donc d'ambulances, j'ai besoin de monde un peu partout. Mais ce qui me manque surtout, parfois, j'ai l'impression, c'est les policiers. Soit ils sont en sous-nombre pour se battre, soit il faut toujours aider pour dégager quelque chose. Alors je préfère faire une nouvelle unité, et après je ferai des nouvelles unités d'ambulance. Car ce dont j'ai le plus besoin, c'est policiers, ambulances, et pompiers en dernier. Voilà. Et donc c'est la fin, voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu, un commentaire, la vidéo avec vos amis. Et je vous dis à bientôt pour peut-être de nouvelles vidéos sur 911 Operator. Au revoir.